Et bonjour à tous et à toutes, du coup, pour ces finales du Rough Winter Session ou ce Republic of Fighter. Donc on va d'abord commencer par le top 3 de Melee. On enchaînera après sur le top 3 de Smash 4. Et après on enchaînera du coup toujours sur cette télé sur le top 3 de Ultra Street Fighter 4, pardon. Mais avant de commencer le top 3, on a juste un petit truc à vous montrer, juste une petite vidéo rapide. Donc je laisse la régie faire le reste du travail, on en parlera juste après. Smash war sicherlich, sag ich mal, der größte Einfluss in meinem Leben. You can do such cool things so fast. But regarding that, Europe being smaller, what you talked about with Android and Rocky before, if you guys, we want Europe to get as big as the US. That is our goal. Yeah. For sure. Donc c'était le trailer de Smash Europe. J'avoue que c'est avec une certaine fierté que j'annonce ça maintenant en fait, parce qu'on a une grosse communauté américaine en particulier de tout ce qui est Smash Bros, tous les Smash en règle générale. Ça y est, l'Europe a enfin sa propre véritable communauté globale, Smash Europe. Merci, du bruit pour Smash Europe s'il vous plaît. Allez, voilà, merci, merci. Du coup ça fait vraiment plaisir d'annoncer ça, il y a une... truc derrière. C'est vraiment plaisir d'annoncer ça parce que Smash Europe, c'est vraiment pas n'importe quoi. C'est tous les pays de l'Europe qui sont assemblés ensemble. On a pu voir le logo justement de Smash Channel, donc de Netherlands, Smash Spain, Smash UK, etc. Et même le French Melee du coup, qui d'ailleurs organise l'événement en partenariat avec le Republic of Fighter cette session. En tout cas, c'est vraiment plaisir. Donc Smash Europe, c'est un site qui va rassembler tous les événements autour de tous les Smash dans l'Europe. Vous allez pouvoir suivre les différents événements, les streams, ce genre de choses. Donc voilà, si jamais la compétition Smash vous intéresse, faut aller maintenant sur Smash Europe. C'est là où il y aura tout annoncé, c'est là où il y aura toute la communication. Donc je conseille à Max d'aller dessus. Et donc ça fait vraiment, vraiment plaisir d'annoncer ça. Enfin bref, on va arrêter de parler de vidéos et ce genre de choses parce qu'on va enfin attaquer ce qui est véritablement intéressant, à savoir les matchs. On va enfin rentrer dans l'arène véritablement et voir... les joueurs qui se sont battus, qui ont réussi à tenir dans ce bracket double élimination, qui ont tenu tout le long, qui ont éliminé leurs adversaires les uns après les autres pour arriver jusque là, jusque dans ce top 3. On va commencer du coup par du mêlée comme on le disait tout à l'heure. Et du coup nous avons Charlon et Cyr, les deux joueurs. Les deux joueurs, deux parisiens. Charlon qui est un joueur de fast follower qui joue Fox et Falco, qui, je dois avouer, crée un petit upset là actuellement, qui est quand même un très bon joueur français. Mais de là à réussir à éliminer Maillet, à éliminer Salpat, il a eu du gros joueur sur sa route, du très gros joueur. Il a réussi à les avoir, il est en winner final maintenant, ça va être du beau jeu. Et en face, on a Cyr, un joueur un peu atypique qui joue Samus, qui n'est pas un personnage beaucoup joué, qui n'est pas le top tier du jeu ou ce genre de choses, mais qui a réussi à venir jusqu'ici, jusqu'en winner final et être prêt à affronter du coup Charlon, prêt à remporter la victoire. Juste derrière, en loser final, c'est Salpat, le joueur de Marth, qui les attend, qui attend le perdant prêt à les affronter derrière. Enfin bref, trêve de blabla, je pense qu'on va commencer, je pense qu'il est temps de commencer, hein, on est d'accord. Il est temps d'avoir du sang un peu. Messieurs, dames, pour mêler le top 3, Charlon Cyr, ça va être du beau. Les gars, je vous laisse game cancel, je vous laisse faire le petit stage ranking, je pense que ça n'a pas été fait encore. Tranquille, normal. Donc mêler le plus, le... oui. BO5, je pense. Si je peux avoir, normalement c'était ça, Bécide, si je peux avoir une confirmation que ce soit en BO5, ça serait chouette. BO5, tout à fait, j'ai la confirmation, c'est du BO5 du coup, donc ouais, vous pouvez vous faire plaisir. Donc, Melee qui est un jeu du coup GameCube,
On a tendance à oublier cette vieille console, mais c'est encore le Smash le plus joué en compétition actuellement. Pour la petite anecdote, nous avons l'Apex 2015 qui va se jouer à la fin de l'année. Grande Bay, ok, pourquoi pas? Pourquoi pas Grande Bay? Je ne comprends pas. Vous n'êtes pas assez chauffés tout à l'heure, là, les gars, je ne vois pas le délire. C'est un stage qui n'est pas en compétition, ça on oublie très vite. Enfin bref, du coup, pour la petite anecdote, nous avons du coup l'Apex, grand tournoi de jeu de baston et de Smash en particulier. Et nous avons, en termes de nombre de participants, 160 et quelques joueurs pour Brawl, 180 et quelques joueurs pour Smash 64. Et oui, Smash 64, c'est plus de joueurs que de Brawl. 800 joueurs et quelques pour Smash 4, ce qui est quand même pour un jeu qui vient de sortir assez impressionnant. Et plus de 1000 joueurs pour Melee, un jeu vieux de 13 ans, un jeu sans patch, un jeu joué encore avec la force de l'âme et le sang des doigts, un jeu archi-technique compliqué, mais encore très compétitif, très joué. Ce jeu qui était destiné à être un party game est finalement un grand jeu et un grand nom de la scène compétitive. Maintenant reconnu par pas mal de jeux du coup dans le monde du jeu de baston, ce qui n'était pas le cas pendant très longtemps. Il est là, toujours présent, toujours aussi puissant. Et du coup on va commencer par ce top 3. Et je sais toujours pas ce que vous foutez, les gars. On attaque quand là? Vous faites vos stage striking ou quoi? Ah là. Bessie, chauffeur de salle numéro 1, merci à lui. Enfin bref, donc le stage striking, en effet le stage dans ce match c'est une notion très 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 importante qu'on a tendance à oublier, c'est pas le cas dans d'autres jeux forcément, mais là c'est très important. Non seulement parce que le but du jeu c'est de sortir son adversaire en dehors du stage, bon ok, sauf que les blast zones, donc les zones d'élimination à lesquelles on meurt, est différente en fonction du stage. C'est-à-dire qu'il y a des stages où le match va durer très longtemps parce que le stage est très large, d'autres où ça va être très court. Certains personnages ont toute leur physique propre à eux, ce qui va du coup faire en sorte qu'il y a des personnages qui vont mourir plus facilement par le haut, d'autres plus facilement par le côté. Du coup, le choix de stage est très important. Et ça encore, c'est rien par rapport à la présence de plateformes ou non, la hauteur de ces plateformes ou ce genre de choses. Donc, le stage est une notion très importante qu'il faut prendre en compte. Le stage striking, les joueurs se mettent d'accord. Ils sont bons, quand vous voulez, les gars. Ça va commencer direct. Bam fist. Et ça commence sur Dreamland, le stage le plus grand. Messieurs, du bruit pour ce top 3, s'il vous plaît! Donc c'est parti, les deux joueurs du coup, un très grand stage qui va permettre à Fox, un personnage très rapide, de bien camper, de sauter à droite, à l'autre, profitant de sa grande mobilité pour pouvoir esquiver toutes les possibilités d'agression de la part de Samus. Sauf que Fox, un personnage qui a un gros potentiel à se faire comboter en fait. Donc si jamais Samus met un coup sur Fox, Fox il doit prendre très très cher. Et c'est pas pour rien que Fox bouge dans tous les sens, par exemple le B out of shield de Samus, qui sort, c'est un coup qui sort très vite en une frame, c'est un peu le dragon, je dirais, de ce match quelque part. Ça permet des contacts dans le bouclier tout de suite, contré avec ça, joli grab en tout cas, c'était dans le bouclier directement. Malheureusement le DR raté, il avait la lecture de la roulade, malheureusement il a fait le DR un poil trop haut. Le grappin pour revenir, mais Charlon qui l'empêche de revenir. Samus qui sert de ses bombinettes, un petit bomb jump pour revenir, joli air dodge. Mais c'est le Shen direct du temps que je suis seul, il a récupéré son grappin, du coup ça suit la roulade. Le Shen encore une fois, ça passe devant, au-dessus, ça attend un peu pépère. Il attend de voir l'erreur de la Samus, la Samus qui fait une petite dash attaque, malheureusement on voit le Fox du mauvais côté. Ça l'empêche du coup d'enchaîner derrière, en même temps Fox qui fait une jolie DI basse, un beau petit crouch cancel comme on dit chez nous, pour que l'adversaire reste bien au sol. Le petit Shen, ça se met derrière, joli up smash. Ça attendait l'erreur, justement on parlait tout à l'heure de personnages qui meurent de différentes façons. Samus meurt très difficilement par le côté, mais meurt très vite par le haut, et joli smash côté sur la revenue de Sir. En effet, Samus qui a un peu flotté a du mal à décrocher du bord, faire son double saut pour revenir sur le stage. Elle a un gros moment de faiblesse à ce moment-là. Charlon le sait, Charlon profite pour le punir et le double upper. Petit face combo, le backer, le neutral. Juste derrière, reste sur la plateforme, il le gratte un peu. Le petit upper qui malheureusement ne touche pas. Charlon qui bien entendu patiemment en bouclier, il fait le tour. Retourne vers centre du stage, véritable avantage positionnel. Très important, comme on l'a dit tout à l'heure, le but du jeu c'est de pousser l'adversaire en dehors du stage. Donc l'avantage positionnel est super important, il y a le coin dans les jeux de baston, il y a le centre, il y a le bord et le centre du stage dans Smash Bros. Et la chambre qui s'est tombée bien bas, mais c'est le Smash Charlon évidemment juste derrière. Forcément ça n'a pas sweet spot, il a dépassé, il a fait son OB un peu trop tôt, il est monté tout droit, dépassant du bord, c'est la punition direct, mécanique que vous ne verrez pas dans les Smash d'après. En tout cas le neutral du coup qui repousse Samus, il attend patiemment, pépère il est là. Il préfère pas se jeter, il sait que c'est dangereux d'aller gérer une Samus. Donc il préfère rester un peu sur le bord, attendre Pepper voir ce qu'elle fait, et essayer de la punir derrière. Il prend son temps, un certain avantage de pourcentage, mais c'est pas ça qui va lui permettre de gagner le match. En tout cas il attend Pepper, il essaie de le gratter avec ses Upper. Il y a de quoi tuer avec un Upper. Peut-être pas un pourcentage, en tout cas ça sera pas très loin. Le backer sort dans une mauvaise situation. Charlon encore une fois patient qui attend que ça lui gratte un peu au blaster. Il laisse revenir Cruel Shine, Monopole, allez bisous.
ramène ta prochaine stock, mon gars. En tout cas, Charlon coince sur le bar pour le moment. Cirque fait sa dash attack, se coince lui-même sur le bar, le missile sur la get-up, ça passe juste au-dessus malheureusement. Cirque prend ses distances, qui tire ses petits missiles, le shine de Fox qui renvoie les projectiles initialement. Là, Charlon coince sur cette plateforme du haut, va devoir redescendre, fait le tour. Le petit backer, ça gratte, le shine, le neutral, pépère. Ça fait un petit combo, ça gratte des pourcentages comme il faut. Le frontaire, le neutral, il le fait tomber. Et magnifique, il a anticipé, il a attendu, il a pris son temps. Malheureusement, il a pas edge gardé, je pense qu'il s'attendait pas à ce que Charlon remonte. Je pense qu'il s'attendait à ce que le boost termine un peu plus tôt, pour qu'il puisse prendre le bord, l'empêcher de remonter, mais Charlon termine bien sur le bord du terrain. Là, pour le moment, ça essaie de zoner un peu au blaster de la part de Fox, au missile de la part de Sir. Joli frontaire en étant juste en dessous de la plateforme. Il est safe comme ça sous la plateforme et il peut le gratter dans le dessous. Joli backer qui fait mal. Ça retire la stock, deux stocks, un match plutôt tendu pour le moment. Quelques pourcentages de retard pour la Samus, mais vraiment rien de grave. D'autant plus, comme vous disiez tout à l'heure, c'est que Samus a un personnage difficile à tuer. A l'inverse de Fox, qui au contraire peut mourir très très vite. Jolie pression en base de Shiner. Ça va être la boule, mais non. Ça sweet spot parfaitement avec le OB de Fox. Juste comme il fallait, le petit grill, malheureusement, s'enchaîne pas derrière. Le backer repousse la Samus. Le upper qui fait mal, et c'est la stock. Charlon qui reste bien au sol, fait le tour pépère. Ça se prend le backer malheureusement. Et Charlon, il y va, le der, il prend son temps, malheureusement il avait une possibilité de convertir ça en une plus grosse opportunité, malheureusement il l'a pas fait. Le neutral pour pousser le Fox comme il faut. Il attend un peu, il va le laisser remonter, revient sur du stage, le F-tilt, il en pousse l'autre sens, le grab comme il faut, le spat avant. Très très bien joué à ce pourcentage-ci, c'est quasiment garanti. Grab basse, match avant avec Samus sur un fast voller. Ça fait mal, ça tue, c'est ce qu'il faut. En tout cas pour moi du coup, one stock match juste pour ce premier match. De winner final, c'est un T-Wave Shine, je suis l'adversaire Pepper, la dash attack qui repousse le Fox. Le petit upper comme il faut, malheureusement ça tombe cette plateforme, ça se fait un peu punir par le Fox. Beaucoup de pourcent pour le moment. Cirque qui tombe, le Shine qui passe pas. Fox qui remercie les sources, ça se prend un non-kick, le neutral en reverse comme il faut. Cirque qui attend, joli neutral, et il revient sur le terrain. Malheureusement Cirque n'a pas tenu le guard, je pense qu'il s'attendait pas trop, il s'est pas trop vers le joli dash attack qui passe comme il faut. Il reste encore en dessous, ils veulent regratter avec ce frontaire qu'on a vu tout à l'heure. Qui a beaucoup à starter combo d'ailleurs avec Samus, c'est impressionné. Missile boule mordant, ça ne passe pas. Et Charlon qui fait une deuxième fois cette erreur. Et c'est tendu. Et Sir qui counter. Non, Charlon qui counter pick destination finale. Très bon choix de stage pour contrer Samus. Samus qui a une très grande mobilité au sol, grâce aux plateformes, puis Waveland, enfin Wave Dash un peu partout, elle est très 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 vite. Là au moins elle perd complètement cet avantage. Et du coup surtout Fox peut lui faire des combos bien plus longs, bien plus en longueur, vu qu'en plus Samus est projeté très difficilement sur le côté, par exemple à faire des wave chain, ce genre de choses. Mais Sir est excellent sur ce stage, on l'a vu tout à l'heure, le grab shot mène un peu chelou, malheureusement mauvaise lecture de relevé. Et Charlon tente une petite punition mais rate complètement le neutral. Il repousse Sir pour le moment, petite phase de blaster, il prend son temps, il gratte un peu le pourcentage. Le blaster qui n'arrête pas le perso et joli monopole. Première stock va pour Sir. Il se fait faire pour le moment, le dunkin qui touche l'adversaire, le petit wave shine il passe derrière, malheureusement c'est pas ça. L'adversaire reste en bouclier pour le moment, le neutral, Pepper, le petit wall jump, side B genre en mode. Allez, je te brûle vite fait, Pepper sur la remontée, joli, ça saute sur le missile, ça punit à l'atterrissage, et ça suffit, ça tue. Si encore une fois, 3 stocks, ça se retire une stock dans un sens, ça retire la stock dans l'autre. C'est pour le moment un set assez serré. Charlon qui revient vite sur le centre du stage, en effet, c'est un avantage positionnel à ne pas négliger. Petit backer, le shine, petite pression, double shine. Il recule bien pour éviter l'OB out of shield. Petite pression, joli upper, ça fait mal. Charlon qui va essayer de le gratter avec le upper, il le touche, il attend, reste en bas. Malheureusement, il rate le deuxième upper. Cirque descend en ce moment là en neutral, fast fall pour monter avec une chute. Aïe, le grab au backer, ça fait mal. Charlon qui reste sur le bord, malheureusement la spot dodge. Le grab s'amuse un peu particulier. Mauvaise DI, c'est le backer juste après. Et le up-tilt, forcément, c'est un stock. Charlon qui revient un peu, fait des petites tentatives de mind game à base de petites dagènes, ça lui tourne autour, pépère. Le solo double saut, ça lui tombe pas dessus pour le moment. Joli up-b, un coup qui stab énormément. En effet, la garde dans ce match, vous avez une bulle autour du personnage, mais vous avez des parties de votre corps qui n'est pas protégée par cette bulle si vous visez ces parties-ci. Oh, ce ups match a fait mal. Il l'a très bien récupéré, il savait que Sir allait essayer de viser le bord. Malheureusement, forcément, il était déjà là, présent, prêt à couvrir ça et à lui foutre un gros ups match. Il est très propre de sa part.
Le petit petit tir au pouce adversaire, le Shine sur le missile, mais très bien joué de la part de Sir qui fait une dash attaque sur le missile pour contrer le renvoi de missile et pouvoir réagir juste après. Très malin. Vu que ça clean, ça arrête complètement l'animation, Sir peut agir instantanément. Malheureusement, le smash tire un poil trop tard, je pense. Il est là, il attend le back air tout en douceur et ça suffit pour prendre la stock. Sir qui a un léger avantage maintenant. Charlon qui prend beaucoup plus que les vies d'avant, il prend moins ses distances. Pour faire des blasters, Sir le sait, s'il reste un peu au corps à corps. Samus qui vient qu'il ait tous ses missiles est quand même un personnage qui a l'avantage cool en ce combat. Il peut coacher, il aurait joli à perdre. One stock match, encore une fois. C'est tendu là, c'est tendu. Un petit avantage de 44%, mais c'est pas ça qui va. Hop là, le smash avant bien chargé pour le moment, bien comme il faut. Le petit backer, le tilt, ça gratte un peu. Les petits neutrales, Sir qui se jette dans le vide, ça peut être le shine. Ça a été esquivé, le EP qui recale Charlon sur le centre. Le smash avant qui fait mal, Sir dans une situation, mais sur son grappin, prêt à revenir. Joli EP, il essaie de revenir assez haut, mais Charlon l'attendait. Non ! Mais non ! Smash est cruel, smash est cruel. C'est le seul jeu de baston auquel vous pouvez vous suicider, sérieux. C'est n'importe quel smash, quel qu'il soit, comme vous pouvez juste tomber du stage pour perdre une vie en fait. Bah, vous pouvez tomber du stage tout seul, je veux dire. Bon, voilà, ça arrive. C'est pas long, ça arrive. Du coup, après suicide. Allez, salty rematch, on vient direct sur l'édition finale. Il a perdu là-dessus. Non, 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 c'était mon coup de purpique. J'ai perdu juste par un suicide. C'est dead, le double smash qui fait mal. Malheureusement, ça repousse l'adversaire tellement loin. Que Sir peut pas enchaîner dessus, hein. En plus il a eu le temps de faire la roulade bien la tech bien extérieure, prendre ses distances, c'est un peu compliqué pour Sir de poursuivre. Pepper, le down tilt, le missile, ça n'enchaîne pas derrière. Il avance avec cette belle air dodge, il essaie de le suivre, il gagne terrain, il veut rester proche de son adversaire. Les petits web dash il pour être proche de lui. Le grabo, le upper, ça fait mal. Sir qui revient sur le stage, Pepper fait des petits bombinettes, le down, le up smash qui touche. Sir qui essaie de revenir, bombinette, il attend Pepper. Feinte le bon jump pour prendre le bord juste après une petite bombinette. Joli de ce côté, l'air vient vers l'intérieur. Malheureusement, petite erreur de spacing. Le S-match passait s'il avait avancé un peu plus vers l'intérieur du stage. C'est dommage, je pense qu'il l'attendait, je pense qu'il l'avait lu. Juste une petite erreur de spacing qui fait qu'il rate son smash avant, c'est dommage. Charlon prêt comme un gros requin. Il est là, il est en dessous, il est prêt à placer ce upper. Il se place bien, il le met. Merveilleux de la part de Charlon qui, du coup, a un petit avantage de stock. Malheureusement, ça revient, ce smash avant direct. Trop loin pour revenir, l'avant B. On prend le bord, pas de soucis, monopole. Allez, bisous, prochaine. Le grabot qui passe, le der juste après. Il suit, re avec un grab, re un der, c'est parti. Et non, cette fois-ci, Charlon fait une tech extérieure. Il sait que c'est dangereux. Le petit tilté dans le grab qui passe mal. Le shine, le deuxième, le grabot. Comme il faut, on peut faire une smash dig. C'est de s'écarter le plus possible du shine. Oh, oh. Il voulait s'accrocher tout pile. Malheureusement, il y a eu ses oreilles qui ont dépassé. La boule, elle a fait non, non. Meurt, juste meurt. Le grab qui touche de très loin, c'est bien joué. Encore une fois, un peu trop greedy de la part de Sir cette phase. Avec le smash qui tue le missile. Sir qui se rapproche un peu, qui attend. Charlon qui prend bien ses licences avec tous ses blasters qui malheureusement se met dans une sale situation à se coincer sur le bord. Il revient sur le centre, malheureusement, et non, ça n'a pas touché. Mais voilà, Shine Up Smash. Samus qui perd sa stock. C'est un tir. Le grab encore une fois ça passe. Le neutral, mauvaise idée de la part de Charlon qui est en fait bien extérieur. Il est en bas, up tilt direct. Et trop loin, trop loin. Il va même pas essayer de faire un monopole, il sait qu'il est trop loin. Il cherche juste sa boule Pepper en mode non mais c'est bon, il est trop loin. C'est bon, c'est bon. On n'en parle plus. Charlon qui n'a pas le droit de perdre cette stock, sinon c'est direction un loser final. Petite pression en Shine, la petite dash attaque dans le bouclier, ça touche pas. Le B qui repousse le Fox. Le sourire prend un peu ses distances. Pepper, ça se fait bouffer par le EP pour le moment. Et voilà, Sir qui tient sur lui, malheureusement. C'est le Shine qui arrête net l'approche du Sir. Directement après le up smash, ça descend en neutral. Ça couvre bien avec sa muscle neutrale. C'est une bonne option à la redescendre par moment. Surtout si le Fox a pas mal placé pour placer un EPR, ça peut être une bonne chose. Là pour le moment, ça joue encore assez bon. Ça prend son temps, ça temporise, ça passe par au-dessus. Le der qui ne touche pas, mais qui lui permet un emplacement safe. Joli EPR sur la roulette de Sir. Le petit jab smash qui n'a pas touché, c'est pas grave. Le grab avant, il regagne un peu en distance pour le moment. Petite dash dance, il attend l'erreur. Pignant. Ouch! Allez, va-t'en! Petite pression de la part de Charlon, très bien joué la dash tech. La deuxième qui ne passe pas, malheureusement, c'était pas très loin. Si le stage avait d'autres conditions, le support n'avait pas été là, le deuxième ça aurait pu toucher. Le down tilt, le back air direct. Sweet spot comme il faut, ça fait mal. Missile light, il y va. Il pose tout sur ce match. Ouch. Ouch.
Et du coup, Charlon qui tombe en loser final et qui va devoir affronter Salpat. Alors, messieurs, dames, Salpat, le meilleur marf français, certainement des meilleurs marfs d'Europe en fait, qui tout à l'heure a été envoyé en loser par Charlon. Donc là, il y a un petit revanche, je pense, qui doit se jouer en mode non, mais ce que tu m'as mis tout à l'heure, c'est pas possible. C'est juste pas possible, on va régler ça tout de suite. La victoire de ce tournoi, elle est pour moi, elle est pas pour toi. Toi, tu finis 3ème. Tu m'as envoyé un loser, c'était une erreur de passage. Ça n'arrivera pas deux fois hors de mon chemin. Sauf que je pense que Charlon a fait ça une fois. Il est chaud pour faire ça une deuxième fois. Sachant qu'il a éliminé Maillet en plutôt dans le bracket. Il a éliminé du coup Salpat également. Deux gros marfs français. Là, c'est pas Marf qui fait peur à Charlon. Clairement pas. Clairement pas. Donc on va voir ce que ça va donner. Je sais pas si Salpat est confiant ou pas. Salpat qui d'ailleurs on voit son magnifique t-shirt. J'ai fait le Beast. Alors le Beast 5 qui était le plus gros tournoi d'Europe en fait. Avec plus de 360 joueurs je crois pour mêler. Ça avait lieu juste le week-end dernier. Salpat il a fait 9ème. Donc sur 360 c'est plutôt un bon score. Voilà messieurs dames, voilà bon. Meilleure paire française à ce tournoi. Il s'est vraiment bien classé. Malheureusement il a perdu contre Hamza, un néerlandais, c'était vraiment chaud. En tout cas, je pense que là, il a envie de prouver le fait que sa 9ème place, il l'a pas eu par chance, mais qu'il l'a mérité. Et je pense qu'il va vraiment essayer de gratter, il va vraiment essayer de gagner ce tournoi pour prouver qu'il n'est pas là par hasard. Et qu'il veut gagner, c'est tout, point. Bon, allez, ça attaque sur le G-Story direct, c'est parti, jouer pour le tour final. Ça enchaîne par un grab à deux. Ça c'est la fin ça. Oh, moins 10 secondes. La stock qui part instantanément. Charlon qui s'est jeté dans le vide avec ce neutral. Une petite erreur. C'est vraiment pas un match-up facile hein. Charlon qui s'est jeté dans le vide avec ce neutral. Il a voulu faire son OB. Marf qui est très bon en edgeguard pour tuer les adversaires qui sont en dehors du stage, surtout les Fox et Falco. Il s'est jeté sur lui, l'edgeguard est direct. Ça a été plus rapide que prévu je pense. En tout cas il est Salpat est prêt, il attend. Ok. Il chauffe. Le smash avant, il repousse le Fox. Le Fox va oublier bien haut, mais il attend. Le smash avant qui fait mal. En plus, à la hauteur de la plateforme, je tue, c'est un smash avant typé. En effet, l'épée de Marf fait plus mal sur le double épée que sur le centre. Et c'est la hauteur parfaite pour l'en faire un smash avant typé. Ça va être la fin, le smash avant. Joli tech de la part de Charlon. Le B chargé, un poil. Pas de portée, joli smash avant. Et là, il est prêt. Malheureusement, le front air qui passe pas. Charlon qui reste bien sous la plateforme. Il tente un deuxième smash show, mais ça ne passe pas non plus. Le front air et ça roule vers lui, ça shine. Ça ne touche pas à l'air dodge. Ça va être la punition. Salpat qui a tenté de faire tomber son adversaire en marchant vers lui, mais on s'est pas passé. Joli EB de la part de Charlon, s'il était revenu vers le stage, il se serait pris le compte qu'il avait perdu sa stock instantanément. Là pour le moment ça fait un front inverse bien comme il faut. Petite pression au shine, Salpat qui prend les distances, revient en grab sur cette défense de Charlon qui je pense s'attendait à des front airs. Oh, des poches. Upper light, centre de l'épée, donc pas forcément fort justement pour pouvoir le permettre de rester à une bonne portée et enchaîner juste derrière, c'est très 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 malin de la part de Salpat, de se mettre juste après. Là ça va faire mal. Ah mais évidemment là, tenter des trucs pareils. Il a tapé du centre de l'épée avec son donner qui avait du coup ça l'a projeté vers le haut. Si jamais il avait tué de la pointe de l'épée, ça l'aurait projeté vers le bas. Erreur de spacing, ça coûte une stock, ça veut faire son malin mais du coup ça suicide. Frontier, ce match avant, ça fait mal, il est là, il est présent. Le donner encore une fois, il le rate. Le paquet, oh. Ça visait le nuage. En effet, le nuage qui n'est pas une plateforme random sur Yoshi Story. C'est une petite plateforme du coup qui fait le tour comme ça. Et si vous regardez le timer en fait, vous savez où elle est. En effet, elle fait 20 secondes à faire le tour complet, 5 secondes par phase. On en parlera un peu plus tard, on attaque sur History, mais en tous les cas, bref, Charlon l'a visé, malheureusement l'a raté, c'est assez dommage. Donc il y a Counter Pick assez classique, Pokémon Stadium, bien large, ça veut lui permettre de camper un peu, prendre les distances, de mettre pas mal de blasters, et surtout, le plafond d'élimination est assez bas. Fox, tu en facilement par le haut. Oh là là, le back air, c'était peut-être en trop. Ça va le faire venir sur le terrain, ça le perd, bam, juste après le upthrow, forcément, ça passe, avec une blaseau d'élimination, du coup, super basse. Marf peut perdre sa vie très très vite s'il fait un up smash à ce moment d'Achille par exemple. Ça peut être la mort du Marf. L'agent Salpat qui a bien pris son temps, il l'envoie dans le vide directement. Il est prêt, le smash avant dans l'autre sens. Ça lui fait gagner un peu de terrain, joli neutral de la part de Charlon qui attend un peu le up smash. Et non, il a le temps de mettre son bouclier là-dessus. Le frontier, et oui, ça space la get up. Il est là, le smash avant, il le repousse dans le vide. Il est prêt, il attend. Dommage.
d'un rien, il aurait pu le toucher. Un bon gros patch avant typé et c'était la mort. Son deuxième sous toujours là, joli backer de la part de Charlon. Sale patte qui a malheureusement un poil dépassé du bord. Punition directe. Et voilà, ce match avant typé. Bien du bout de l'épée comme il faut, ça fait mal. 3 stocks, c'est tendu pour le moment. Charlon qui prend un peu ses licences, mais Salpat qui rentre dans le tas, qui grave, c'est parti, petite phase de combo, 51% gratis. La pendant ça tourne autour l'avant, mais qui malheureusement pour spacer, mais le Charlon trouve la faille, il jette dessus, fait une vraie pression en base de Shiner, Shiner. Mais encore une fois, ce upper, ce match avant typé qui fait mal, Charlon va revenir sur le terrain. Le upper, il a pas tué le sol, il a plus tourné, il a plus tourné. Magnifique de la part de Salpat. L'adversaire n'a pas touché le son, pas possible de s'en échapper. Upper comme il faut, ce match avant typé. Oh, ce shine, il le fait tomber instant. Salpat qui, à chaque fois qu'il a le Fox chopé, il le balance dans le vide le plus rapidement possible. Il sait que c'est la meilleure situation pour l'envoyer, pour l'être gardé, en fait simplement pour le tuer. Si en effet la force de Marf, il peut gimper, tuer à bas pourcentage son adversaire très rapidement. Joli jab reset. Si l'adversaire est au sol, on fait un jab. S'il n'a fait aucune input entre deux, ça le force à se relever droit. Ça permet de faire un combo, c'est gratuit. C'est bien joué de la part de Salpat. Ça tourne autour pour le moment, le petit grab. Il laisse remonter Charlon. Pépère. Le petit shine comme il faut. Joli shine up smash. Ça fait mal. Et le père. Le père qui fait mal. Le live cette fois-ci, malheureusement, le smash avant qui rate. Une trajectoire un peu chelou sur ce père là. Il est parti bizarre. J'ai pas compris là celle-ci. Il attend un peu vers le centre du stage. Il va pas s'approcher. Il sait que c'est dangereux. Il a un retard d'une. Oh, Charlon qui a fait une grosse erreur en allant sur ce. Cette plateforme, one stock match. Forcément. En tout cas, du coup, Salpat qui a bien entendu, qui a bien pris son temps. Et c'est parti, un petit chain grab. Il le plaque au sol, Pépère l'avant, mais malheureusement, ça ne suffira pas. Joli smash d'ailleurs sur le premier coup du upper. Encore une fois, et non, malheureusement, un poil trop bien sur ce match avant. Mais il prend ses sens pour Don Tilt. Encore une fois, le upper line, le smash avant juste après. Il est là, mais la pression, il attend un peu. Transformation Pokémon Stadium. Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Marf qui gagne en hauteur à rester là-haut, ce qui fait que du coup, un ups. Oh! Oh, ça t'apprendra à faire ton malin. Le smash avant dans le bouclier, ça repousse l'adversaire. Salpat ne doit pas prendre trop de risques. Il arrive trop vers le haut, s'il essaie trop de passer. Il gagne en hauteur. Et un up smash ou un upper, ça peut faire mal. En effet, quand le stage change, parfois c'est compliqué. C'est compliqué d'approcher autant pour l'un que pour l'autre. Donc forcément, ça attend un peu, Pépère, ça prend son temps. La transformation va revenir à du normal. Charlon qui va essayer d'attaquer. Petit blaster Pépère, reste sur la plateforme, joli drill. Il essaye de la plateforme pour bien gagner en hauteur par un poisson. Oh, up throw, upper, la stock qui part direct. C'est ce qu'on disait, la blast zone basse qui fait qu'un upper peut retirer la stock bien vite de son adversaire, surtout sur un Marf. Donc c'est très bien joué. Counter pick classique de Marf contre Fox. Final destination. Sauf que là pour le moment, le Marf qui prend un peu cher. Le grab, le fer, il est là, le contre, c'est parti. Il jette dans le vide, le forward air, et c'est fini. Voilà, emballé, c'est pesé. Un Fox dans le vide contre Marf. Il a peu d'espoir. Il a vraiment peu d'espoir. En tout cas pour le moment. Ah merci chef. Petite pression pour le moment. Joli backer malheureusement reverse, mais il est toujours là pour le suivre. La get up qui repousse le Fox. Prend ses licences avec la petite dash dance. Ça tente des agressions qui ne passent pas le grab. Esquivé par la spot dodge. C'est joli, malheureusement pas assez pourcentage pour le plaquer vraiment au sol avec ce dare. Double dash attaque. Joli contre pour contrer ce up smash. Il se prenait, il perdait la stock. C'est simple. Up tilt. Oh dommage, je pense qu'il voulait faire un upper. Il s'attendait pas à ce que Charlon aille aussi vite. Le forward air. Et non, c'était une tech extérieure. Bien joué de la part de Charlon. Il est sorti de la pression. La get up malheureusement c'est position direct. Up tilt, le neutral qui ne touche pas, sinon qu'il tente de sauter juste avant. Je pense que... Oh! Le triple coup de l'avant B, le troisième qui fait mal, qui repousse l'adversaire. Il attend un peu, le forward air un poil raté. Joli smash de la part de Salpat qui se décale violemment entre le premier coup du Fox pour pas se prendre le deuxième et ne pas mourir. Il a toujours son deuxième coup, il revient Pépère, joli backer, mais sans reverse, c'est vraiment dommage. Petite esquive, il était un poil trop loin, il a pas pu punir. Plus de deuxième saut, c'est dead. 3 stocks, beaucoup de pourcentage par contre pour Charlon. Mais il faut savoir que Marf c'est un personnage qui tue à bas pourcentage. Mais une fois au pourcentage, c'est plus dur de tuer. C'est pour ça que Charlon va pouvoir monter en pourcentage. Il est un peu garanti, il a un pourcentage presque safe à 145%, c'est un peu bizarre de dire ça mais c'est le cas. Oh, avant B, le smash avant qui passe. Il va attendre un peu, il prend le bord, mais il revient sur le terrain, le neutral. Charlon est en train de tuer le sol, il a toujours son deuxième saut. Le smash avant malheureusement là, poil trop tôt. Comme je disais, 178, toujours vivant. Toujours vivant. Le grab arrière, ça va faire mal. Le jab comme il faut.
Il est là, parfait. Monopole très très propre de la part de Salpat. Juste repousser l'adversaire, PPR pris le temps. C'était en effet une lecture à avoir. Est-ce qu'il va rester sur le bar, est-ce qu'il va revenir? Bonne question. Et la chaîne grave. Alors voilà, Et il passe sur un tuto au milieu et c'est reparti. Il attend un peu PPR, mais la pression avec son foradère. Malheureusement ça ne passe pas. Charlon qui a fait une jolie petite tâche dans un sens pour esquiver le frontaire et contre-attaquer juste derrière. Le grab encore une fois, le foradère et le terre. Et le smasher, joli tech. Mais toujours là. Malheureusement Charlon a fait son side B un peu trop tard. Trop sur la hauteur maximum de son saut, ce qui fait du coup il n'a pas pu punir. Il n'a pas pu tuer l'adversaire. Et c'est le upper qui passe, sale patte, deux stocks, une pour Charlon. Il chope le Fox, il le rechoppe encore une fois. Il rate la phase de Shane Graham malheureusement. Roule autour de lui. Le Shine, ça le repousse, Pepper, ça le jab, ça le tient de loin. Le petit backer, le neutral, ça repousse complètement. Le mar et la marzon, mauvaise situation. Mais là il va revenir, très bien joué en longeant bien le bord comme il fallait. Et non, le Shine qui peut sortir très vite, qui peut casser la phase de Shane Graham si le Marf se rate dans son exécution. Le petit backer, ça pousse l'adversaire, le foradair qui pousse le Fox. Il reste bien sur le bord, PPR, il prend son temps. Il a une stock d'avance, il va pas se presser. Il a tout ce qu'il faut, toutes les armes en main. Joli neutral de la part de Charlon qui va bien. Oh, PC Trick, backer, qu'est-ce qu'il y a? Salpat qui prend bien ses distances, qui chope le grab, qui fait ce magnifique upper light smash avant tipé. Mais très belle, il n'a pas de Charlon, toujours pas mais le smash avant tipé une deuxième fois. Et c'est la stock! Charlon qui stade forcément pour le stage. C'est pas un choix très facile. Il peut plus reprendre Pokémon Stadium vu qu'il a déjà gagné sur ce stage. C'est le principe de la DSR, la Dave Stupid Rule chez nous, qui fait que quand vous gagnez sur un stage, vous pouvez pas le reprendre. Forcément, il reprend un autre stage, sinon on aurait toujours deux stages qui seraient ballons, ça n'a aucun sens. Du coup, là, ça passe sur le History encore une fois, comme le premier stage. On va voir si ça va donner. Oh, il est en deuxième shine. Non, le monopole est là, mais le backer leur pousse sur le bord. Il attend un peu, joli get up en fait, la phase de patience. Il leur pousse en dehors du stage. Charlon qui suit magnifiquement bien la roulade. Encore une fois, joli upper. Malheureusement, il ne link pas avec le deuxième alors qu'il avait une occasion de le mettre. Je pense que ça ne venait pas forcément à toucher avec le premier upper. Il a été un peu surpris, il a perdu tant de réactions. Et s'est pas jeté sur lui, c'est vraiment dommage. Petite distance pas, Pepper le donne-t-il qu'il faut. Malheureusement, le dosage. En effet, le bord du Yoshi-Story un peu pentu, qui fait que ses adversaires est trop sur le bord. Il va pas pouvoir le toucher. Oh, forwarder ce match bien comme il faut. Il attend un peu pour le moment le upper light. Le forwarder, le deuxième. La stock qui part. Ça tourne autour, joli backer. Il repousse l'adversaire, le up et il le met sur le coin. Il se laissera pas coincer sur le bord. Un joli man game. Il le force à retrouver en get up, mais son bouclier le grab juste après. Ça attend bien sur le bord de la plateforme au centre. Il sait que Charlon va devoir passer soit par au-dessus, soit par autre façon, pour retomber sur le centre du stage, donc il reste là et il couvre les opportunités. Maintenant Charlon qui bloque, il sale patte, mais avec la portée de Marf, ça va pas être trop un problème pour inverser la situation. Ça tech pas, c'est forcément un force mal juste après. Le Dunkit à poil trop tard, Charlon qui revient sur le stage, sale patte dans une situation, qui est obligé de garder de l'espace dans le vide. Et ça revient sur le du stage, le backer, ça ne touche pas, joli. Et Charlon dans une mauvaise situation qui malheureusement vise le nuage et le rate. Ça chope le grab, le non tilt encore un, deux fois. Et malheureusement ça le patte un peu trop flashy qui tente des trucs. Mais Charlon qui est bien revenu en prenant son temps sur le stage, tout pépère. Je pense que ça a plus surpris ça le patte. Joli ce match avant sur la tech sur place. Il prend son temps, il attend sur le sang du stage. Encore une fois, il couvre le bord de cette plateforme comme il faut justement. Le chaîne qui passe, mais la get up qui repousse l'adversaire. Et le match avant. Est-ce qu'on va avoir droit à un 4 stocks sur cette loser finale? Charlon qui attend un peu, Charlon qui peut toujours faire le comeback, ça peut se faire. En tout cas, du coup, Salpat qui, je ne pense pas, le laissera faire. Sinon, qui prend ses licences. Et c'est parti. Up throw, upper, ça ne frappe pas à 4 stocks. Plus de 3 stocks à remonter, ça peut se faire. Là, pour me tourner autour, le gilet backer, double shine. Il est là, le backer sur le B comme il faut. Malheureusement, c'est le grab, il tourne autour, double shine sur le shield. Le deuxième, le troisième, le quatrième. Et le shine au milieu du chain grab qui arrête tout. Le foradère malheureusement un poil raté en termes de timing. Et là ça va faire mal, joli. Oh, Charlon est... Oh, plus que deux stocks Charlon. Plus que deux stocks, ça peut se faire. Le petit chat des pères, joli. Il a suivi la tech malheureusement bien. Le upper, la redescente, parfait. Ça permet d'agir très vite.
Le grab qui va faire mal, malheureusement ça reste un match-up dangereux pour Fox. Il a vraiment pas le droit à l'erreur, le drill, le shine comme il faut. Le forward air qui repousse le Fox. Encore une fois, ça se tape l'un sur l'autre, le neutral, Johnny le deuxième. Salpacker revient sur le terrain, le back air. Salpacker qui perd son sol, le back air revient. Ah le nuage. Et non. Et non. Absent comeback. Est-ce qu'on va y avoir droit? On n'a pas le droit de rater ça. Mais Salpat. Salpat qui pose l'adversaire, on pousse avec un forward air juste comme il faut pour le moment. Ça vise le nuage, très bien joué de la part de Chancre, qui reçoit une salle qui a fait mal, Julien Délis sur ce match avant, qui lui permet de bien tenir, de rester en vie pour le moment. Il repasse au-dessus, mais là il perd fort, qui l'empêche de mourir. Non. Wow. Ok. Bon, je pense que vous avez compris pourquoi Charlon a fini 3ème quand même. Hein. C'est pas un mec avec qui il faut plaisanter. Le mec est à deux doigts de faire un vrai comeback. Un vrai, vrai comeback de salle. C'était tendu. Bon, du coup, je crois qu'on va attaquer la grande finale maintenant. Charlon, il reste, il veut jouer. Il fait non. Non, je veux pas partir là-dessus. Il me laissez pas partir là-dessus. Du coup, ça va être un Marf. J'ai eu quand même du bruit pour Charlon, c'est vrai. Un Fox assez excellent, archi technique, ça fait plaisir de le voir aussi loin. Ça fait plaisir qu'il fasse aussi peur comme ça. On va le revoir à d'autres tournois, de toute façon, c'est un joueur à suivre, clairement. Bon, du coup, là, ça va être un Marf Samus. Un match-up vraiment pas facile pour Samus. Je sais un peu de quoi je parle, c'est vraiment compliqué. Faut savoir que Salpat va avoir besoin de 2 sets s'il veut gagner cette grande finale. Il va devoir gagner le premier, certainement le deuxième, on va voir ça. S'il n'aura besoin que d'un seul, ça commence sur une bataille. Du bruit pour la grande finale de Melee. En effet, une fois que Samus sera mis dans les airs, Marf va pouvoir jongler avec. Comme il va pouvoir jongler avec, on sent vraiment plaisir. Mais vraiment, à base de forward air, de upper, de ce qu'il veut. Il va se faire vraiment plaisir. Parce que par contre, au sol, c'est Samus qui a clairement l'avantage. Ça va être compliqué de ce côté-là. Il va devoir vraiment jouer avec les projectiles, jouer avec ses tilts, gagner sur la distance. Et avec l'épée de Marf, gagner sur la distance. Pas facile. Ok, bon, ça se lâche dans le bouclier direct. Par contre, vu que c'est un personnage flottis, on n'aura pas des combos comme Fox non plus. Ça va pouvoir prendre la distance de ce côté-là. Le mec, le premier qui ne passe pas, le deuxième qui touche. Oh ! Cirque s'est très bien positionné. Un peu plus loin du bord, il s'attendait au wave dash à la relevée du Marf, comme il fallait, très propre de la part de Sir. Le père qui touche la Samus Pepper, reste en dessous encore une fois le deuxième. En strong, et ça retire la stock juste après avoir perdu la sienne. 3 stocks. Le backer qui repousse Alpat, le grab comme il faut sur lui. Ça se tombe un peu autour, et oui, ça stab, ça vise la tête de Marf qui sort du bouclier généralement. Ça tape dessus, et je l'ai encore une fois le neutral, ça va faire mal. Le up tilt. Sublime. Ah, je pense que ça a voulu résister vite fait de la manette pour être sûr. Je pense peut-être un petit souci. En tout cas, c'est sûr qu'il y a bien sûr start. Enfin bon, on verra bien. En tout cas, petite pression sur le up B qui passe bien. Backer, smash. Oh, allez. Oh, oh. Sire. Mon dieu. Et le contre. Ça tente des trucs de fifou un peu. Encore une fois, ce match vraiment bien placé, mais on sait que Salpat a mis son bouclier. Encore une fois, le bouclier sur le neutral. Oh, ce terre qui stab. Oh, ce neutral qui fait mal. Est-ce qu'il revient sur le terrain? C'est comme une pomme avant que Samus. Le B du mauvais sens, malheureusement. Du coup, ça lui fait perdre sa stock. C'est vraiment dommage. Et bien sur le stage, mais on le smash avant qui couvre un peu la plateforme dessus. Ça touche un petit peu en plus. Ça fait mal. Mais encore une fois, Samus qui a un personnage difficile à tuer par le côté. Hein. C'est peut-être pas ça qui va suffire à pouvoir lui retirer la stock. En tout cas, passe pour son tâchi, il faudra peut-être un autre. Le bonheur qui fait mal, le père encore une fois, il est là. Très vite, il retombe sur le sol, prêt à le gratter en dessous. Joli ce match avant, typé en se mettant bien sous la plateforme. Il leur pousse instantanément, très bien joué de la part de Salpat. Le petit backer qui repousse son adversaire, le grab sur le lancement de missile, plus deuxième sauveur, tout vite le sol. Le forwarder, le der, prêt à le monter encore sur le sol. Le forwarder encore une fois, il le gratte au pourcentage, ça descend en neutral, ça couvre bien. Joli grab en main game sur la roulade. Le backer qui passe pas, il tombe de la plateforme instantanément. Backer pour repousser l'adversaire. Il joue un peu cette plateforme, il prend son temps, il prend la distance. Samus qui a du mal à sauter. Vite. Oh!
One Stock Match direct sur ce premier match encore une fois. Il n'y a que des faces comme ça depuis tout à l'heure, hein. Incroyable. Le grab qui passe pour le moment, il essaie de le gratter, il essaie de le suivre. Il essaie de le coincer sur cette plateforme, malheureusement le grab qui passe passe. Salpat, il prend un peu les distances, il va falloir le laisser approcher pour le plein derrière. Il reste bien encore une fois sur le centre du stage. Il retourne très vite sur le sol pour avoir plus d'opportunités de couvrir l'atterrissage de Samus, comme je dis tout à l'heure. Samus est très mauvais dans les airs, donc il est là. Il attend au sol, il reste en dessous, il met des uppers, il la fait monter. Tranquille, Ryu, il prend son temps. Ça, ça va faire mal, mais le donner avant qu'il ne passe pas. J'ai eu dash attaque sur la roulade, ça peut être jamais en dessous. Oh! C'est le trade double hit. Malheureusement, en train de traîner un EP et un qui se fait garder. C'est compliqué. Donc, Salpat, il perd son premier match. Direct, il est sur Battlefield. Direct. Counter pick, non, je connais pas, moi je me. Non, impossible. En tout cas, ça attend pour le moment, ça tourne un peu autour, joli grab de la part de Sia. Encore une fois, cette phase. Oh là 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 là. Et non, Salpat qui a bien entendu cette get-up cette fois-ci. Et qui revient très vite au niveau des pourcentages. Hein. Le grab qui passe pour le moment encore une fois sur Sia, par contre, qui passe. Le neutral qui passe très bien. Le forward air en atterrissant tout pile. Encore une fois, le forward air qui gratte bien le bouclier. Très facile de se taper derrière. Joli get-up de la part de Salpat qui a bien pris son temps. Qui a bien entendu l'atterrissage de la Samus. Et quoi? Malheureusement, Salpat il fait pas son mauvais pour revenir. Je pense que il écoute, je ne sais pas. Du coup, il revient pas. Petit spacing de la get-up. Pépère il bouge pas, tranquille. Il attend. Ça, malheureusement, le match avant qu'il passe pas. Salpat circule le temps de faire double saut bien autour pour revenir vers le centre du stage. Salpat qui attend bien. Pépère le B pour gratter, le repousser, être prêt à l'edge guard. En tout cas, malheureusement, il n'a pas de chance farm, il était toujours safe. Samus qui met du temps à atterrir, donc de toute façon, il avait le temps de faire ça. Le grab qui fait mal, ça passe pas, mais le dodge qui prend cette plateforme, il le plaque au sol, reste en dessous, n'a pas fait un saut au père, a préféré redescendre sur le centre des fois que l'adversaire descend de la plateforme. On ne sait jamais, c'était plus safe. Ça n'a pas touché, mais c'est quand même plus safe, c'est ce qu'il faut parfois. Surtout quand on est de retard. Sir qui grab d'une manière incroyable. Graber avec Samus, c'est pas facile, hein. Il y a des longs moments de start-up avant d'arriver à graver, mais il les enchaîne magnifiquement bien depuis tout à l'heure du Bowman Game. Et le père qui fait mal, qui retire la stock. Salpat qui a un léger retard de pourcentage, mais c'est pas grand chose. Il a de quoi remonter. Jolie petite esquive avec sa petite dash dance pour revenir sur l'adversaire. Le grabé derrière, malheureusement ça peut bien jeter derrière. Le contre, contré directement par Sir. Il le coince cette plateforme, malheureusement il rate son forward air. Il suit la roulade avec ce petit wave dash, c'était propre. Il revient encore une fois vers le centre du stage. Attends, Pépère, il couvre la revenue de la plateforme de Sir, ce petit wave dash. Encore une fois, Sir qui vise la tête de Marf dans ce bouclier parce qu'en effet, du coup, c'est le bouclier qui dépasse. Marf a sa tête et ses jambes qui dépassent la main de son bouclier. Ce qui fait que si jamais un Marf se défend, il faut viser soit la tête, soit les jambes pour pouvoir le toucher en bouclier. C'est un peu garde-hausse, garde-base dans les jeux de baston. Et Sir, il vise très très bien le stab depuis tout à l'heure. Il fait ça à merveille. Le grab qui passe bien, le back air comme il faut. Salpat toujours sur le deuxième saut, il revient sur le stage, lui forward air qui repousse Sir. Il attend, il grab, il prend son temps le smash, malheureusement pour le rater. L'avant mais up petit Salpat qui passe bien, mais plus quand ils sont sur le même niveau La série est au-dessus. Allez, power shoot missile grab, qu'est-ce qu'il y a? Je m'en fous de ton missile. Le up petit qui suffit et Salpat du coup qui prend l'avantage maintenant sur ce match. Joli back air de la part de Sir qui va commencer à tirer des missiles, malheureusement ça n'a pas suffi, le neutral. Très très propre de Sir, il prend le bord, profite de l'invincibilité, se décroche double saut neutral. En plus avec la petite flottinesse de Samus, le neutral dure bien longtemps, il couvre bien une bonne partie, c'est une grosse priorité. C'est plutôt bien pensé de la position en Edgar. Encore une fois, Salpat power shoot, donc il renvoie le projectile de son adversaire. En effet, si vous protégez 2 frappes ou 4 frappes, je crois que le projectile vous tombe dessus, vous renvoyez le projectile à l'envoyeur. Avec la puissance divisée par 2 je crois. Mais en tous les cas bref, ça renvoie le projectile, ce qui fait que l'adversaire du projectile, si vous lui power shield et tout, mais il a le seum en fait, il a le seum. Joli de la part de Salpat qui prenait son temps, qui revient bien vers le centre du stage. Attends un peu, il place ce match avant sur l'esquive aérienne de Sir. Il revient encore sur le centre du stage, on s'est rattrapé par cette dash attack neutrale comme il faut. Noé qui joue, Salpat qui joue avec cette plateforme, Waveland descend en terre comme il faut. Il essaie de l'edge guard, il le force à reculer. Toujours au deuxième saut, le grappin. J'ai eu peur, c'est assez compliqué parfois de revenir sur le stage vu que le bord est assez particulier. Et malheureusement le grab qui s'évite avec juste un petit saut. Le smash change après, je suis là, il part de Salpat qui repousse l'adversaire avec son forward air. Il attend, pète les bombes, et ouais, plus de bombe jump. Il attend un peu, le grappin qui touche. Malheureusement ça n'a pas sweet spot, ça lui a fait faire un petit saut.
Salpatella rate le backer, mais prend Jalbert, il attend. Le smash va un poil trop tard. Joli upper de la part de Tissir. Malheureusement, c'est pareil, je me fais des débuts de la part de Salpat. C'est la position de Jack, la dash attack. Ça peut mêle et le up throw. Ça ne tue pas là pour le prochain tuera. À quelques pourcentages près. À quelques pourcentages près. C'était pas loin. En effet, le throw de Marf tue généralement à 200 et quelques pourcents en moyenne. Faut savoir, en effet, comme on l'a dit tout à l'heure, Marf a du mal à tuer à haut pourcentage. Et parfois, à très haut pourcentage, c'est la meilleure solution pour Marf, c'est le grab. C'est le grabo. Ceux qui ont une grosse partie sur le grab, ça passe bien. Joli neutral sur l'avant, mais Salpat. Il attend un peu, revient, joli wave dash. Pepper, le double jab qui touche. Salpat un peu trop loin, malheureusement, pour remonter. One stock match. Encore une fois. Salpat qui est là, bien au sol, mais le grab. Il le suit, il se prend le petit, le fer, le deuxième. Il le coince cette plateforme, le neutral, la dash attack, encore une fois. Le forward air descend en neutral. Joli grab, le der, le missile. Est-ce que... Eh non, il avait encore son deuxième saut, petit fou. Et Z, le monopole, et le neutral comme tout à l'heure. Joli. Alors maintenant, destination finale. Ah, ça s'est pris pour les deux fois de suite. Il fait énergie. Donc ça tombe sur l'édition finale, pas de plateforme. Salpat qui a gagné du coup, Sir qui a gagné le match présent, donc il se fait 2-0 pour le moment pour Sir. Donc là bon, du coup ça joue sur destination finale, ce sera plus pratique pour lui. Enfin à voir du coup, en tout cas il n'aura pas de souci de plateforme ou quoi que ce soit. Il va pouvoir prendre plus ses distances, je pense qu'il va vouloir jouer là-dessus. Le camper un peu plus, le zoner, le forcer à approcher comme là il fait des petites... Tagène, genre de choses, il prend la distance. En effet, autant Marf dans les airs, c'est autant s'amuse dans les airs, c'est pas pratique. Autant Marf dans les airs, c'est pas pratique non plus. Donc là, il va pouvoir le tenir bien au sol, pouvoir le suivre plus facilement. Une fois qu'il sera approché dans les airs, il n'y aura pas les plateformes pour sauver Sir et accélérer sa vitesse grâce au Weltage, ce genre de choses. Il sera forcé d'atteindre la plateforme principale pour ne plus être dans les airs, ce qui du coup va permettre à Salpat de mettre des sales trucs. Mais vachement, il attend un peu Pepperi. Ah, ça se tourne autour du Wendash. Jolie pression de la part de Sir. Jab, jab, tilt. Il attend. Et non, malheureusement, le smash va un poil trop tard. Le grab qui touche pas pour le moment. Le smash avant qui fait mal. Ça repousse la Samus. Ça la plaque au sol instant. Ça suit un peu la dash attack sur le Mar. Oh, ça punit avec un grab. Jolie de la part de Sir. Donne throw neutral direct. Ça a pas essayé de faire un smash avant ou quoi que ce soit sur le contre. Il a préféré faire la dance throw. Malheureusement, c'est forcément le side bait de Marf. C'est un peu cool, un starter combo sur les flottis. Même à haut pourcentage. Après, dans les airs, ça place un upper comme on a vu. Sur le sol, ça place un petit. Et c'est pratique pour tuer. Le donner sur le sol à 0%. Ça met un léger stun qui permet de graver juste derrière. Comme l'a montré Salpat, c'est très propre. Il va bien prendre ses distances pour le moment. Pour le moment, ça prend ses distances plus perdues. Joli ce match avant sur la Samus. Ça lui tombe bien autour comme il faut. Sir qui n'a pas préféré faire un EB ou ce genre de choses pour essayer de couvrir. En effet, sans plateforme, c'est assez dangereux. En tout cas, il leur pousse bien sur le bord pour le moment. Ça le plaque au sol. Là, ça essaie d'approcher. C'était assez ballsy d'approcher comme ça en wave dash match avant. Mais ça le plaque, fait une bonne skill. Vraiment, on n'a pas réussi à contrer. Le backer sweet spot bien comme il faut quand il touche du bout de la botte. Oh, sniper! Il vise bien le missile. Bam, t'es mort. Petit avantage. Le upper qui passe bien. Le neutral, la redescente comme il faut. Mais le upper de Marf à la relevée du bord qui lui permet du coup de prendre un peu quelques pourcentages, de repousser l'adversaire, la boule, et non, c'est shieldé. Il est déjà sur le prêt, il met un peu de pression, encore le petit power shield comme il faut. Prends des sens, la bombinette pour essayer de le feinter, malheureusement il pas d'air, c'est le F-Smash direct. Il prend son temps, neutral reverse, tu n'as plus de grappin, tu n'as plus de deuxième saut. Mais tu as le bomb jump, je viens t'embêter, je suis prêt, il est là, et c'est le monopole. En effet, la clé pour être garder Samus, c'est la patience, c'est prendre son temps. Eh oui, faut prendre son temps à Pepper, attendre le bomb jump, lui péter ses bombinettes, Pepper, lui péter ses options, son grappin petit à petit, et l'empêcher de revenir. Mais bon, c'est en effet, si on se presse un peu trop, ça revient. C'est un des versos qui a le meilleur recovery du jeu. Plus de deuxième saut. Oh, ça revient dans la partie direct pour Salpat. Qui a très très bien joué, a grillé le deuxième saut de Sir, a fait son honneur, forcé de faire le OP, possibilité réduite pour Sir, ce match avant typé, c'était propre, très propre de la part de Salpat. Je le plaque encore au sol, ok pourquoi pas, le Smacho Light, ça prend un peu ses distances pour le moment, ça c'est compliqué d'approcher, joli dash attack, bien au sol comme il faut, ça prend le bord,
Le forwarder en reculant, ça peut reprendre le bord, c'est assez safe pour repousser l'adversaire et conserver un certain avantage pour reprendre le bord puis revenir avec l'adversaire assez loin. Franchement, c'est pratique. Encore une fois, donne trop neutral, ça passe. Le missile un poil trop haut, un poil trop bas, maintenant un poil trop haut. Ça le tient bien pépère, ça chope le grave, cette dash attaque. En arrière, il attend. Ça va tirer un poil trop tard, malheureusement, il aurait pu lui mettre s'il avait agi un peu plus tôt. Il attend. Est-ce qu'il pète les bombes? Non, c'était juste pour couvrir le forwarder à la relevée qui marche plutôt bien, pardon, pour pareil, repousser l'adversaire, être pépère sa relevée. Ça prend le bord. Et Sir qui malheureusement rate son neutral. Oh, rate son. Reviens bien sur le grappin. Le Don Smash qui le tue. Oh! Jusqu'au bout avant qu'il meure, dis donc. Jusqu'au bout. Et du coup, Sir qui a beaucoup de pourcentage. Mais il arrive au pourcentage, c'est compliqué de tuer avec, avec Marth. À moins qu'il arrive à vraiment faire une bonne lecture. Il va devoir attendre, prendre son temps. Sir peut tenter une carotte de l'espace, ça peut toujours se tenter. Il prend son temps, pépère. Le donne-t-il comme il faut. Le placo sonne, il attend la boule qui touche. Malheureusement, il se presse. Jolie petite bombinette, il revenait vers lui, casse son soin avec ce, ses bombinettes dans le centre. La dash, encore une fois, le neutral. Putain. Oh! Oh mec, il l'a pas laissé toucher le sol. Au moment précis où il a vu que Marth n'avait plus son deuxième saut, il a tout fait pour l'empêcher de récupérer. Il n'a pas touché le sol une seule fois. Dash attaque, pépère, daylight, il le poussait juste ce qu'il fallait. Et une fois qu'il a vu que ça le patte allait s'approcher du bord, Trevlit, Waveland, back air, même si ça touchait en light, ça repousse en dehors du stage et ça tue. Maintenant. Ok. Donc là maintenant, je sais pas si on attaque tout de suite. Du coup, je pense qu'on attaque tout de suite le top 3. Smash 4, je pense. Page de pub. Ah, petite pause. Après ce top 3 mêlé, donc on le rappelle, Sir, Salpat, Charlon. Bien joué aux 3, en tout cas, de très très gros joueurs qui ont battu d'autres gros joueurs. D'ailleurs, on avait fait vraiment un bon cast entre des Paxson, des Maillets, ce genre de choses, c'était propre. Enfin bref, petite page de pub pour le moment. Et on se retrouve juste après pour le top 3 de Smash 4. A tout de suite.